Salut tout le monde, bienvenue pour la sixième mission d'Age of Empires 4, l'ascension des sultans. Nous sommes en 1960 avec la bataille d'Ain Jalut. Une nouvelle menace menaçait le sultanat lui-même. Les Mongols étaient arrivés. Ça, les Mongols, hein, je les aime bien les jouer sur les autres jeux en général. Ils jouent une fois un Total War Genghis Khan, bah alors là je serai aux anges. Le sultanat des Mamelouks était né. Les ravages des Francs, aussi atroces soient-ils, ne pouvaient égaler la terreur que nous avons ressentie face à la violence et la fureur des Mongols. Aussi vite que se répand la peste, ils arrivèrent. Les uns après les autres, nous sommes tombés. Bagdad, Alep, Damas. Nos terres étaient englouties sous la fumée et recouvertes de sang. Toutefois, le sultan Qutuz, que Dieu lui soit miséricordieux, ne voulait pas reculer devant la peur. Il rassembla son armée de Mamelouks et se mit en marche. Allez. On est parti pour cette bataille de Ain Jalut, pardon, en 1960. Avec Baybars à ses côtés. Ah bah tiens, on le recroise à nouveau, c'est bien ça. Le sultan Qutuz marcha pour intercepter les redoutables Mongols. C'est vrai que Baybars, on le croise aussi dans Age of Empires 2. Si vous avez fait la campagne, donc vous avez acheté le DLC Les Seigneurs de l'Ouest et que vous faites la campagne d'Édouard le Sec, premier d'Angleterre, il est présent dans la deuxième mission. Bon, vous ne pouvez pas le jouer, c'est un de vos adversaires. Et je sais que vous le croisez à ce moment-là. Il était écrit que chaque lieu que les Mongols attaquaient, ils le prenaient. Que chaque armée qu'ils combattaient. J'arrive à bien faire, à bien conserver mes troupes aussi. Hein. Tel était l'angoisse du peuple. Mais les Mamelouks ne seraient pas balayés si facilement. Avant le coucher du soleil, les Mongols connaîtraient le goût de la défaite. Parfait. Baybar, le héros de Mansoura, ordonna à sa cavalerie d'attirer les Mongols dans le piège des Mamelouks. On va essayer de maintenir nos archers de cave en vie. J'avais pas vu qu'il y avait des prêtres au début. Les cavaliers mongols s'élancèrent dans la vallée sans se douter du désastre qui les attendait. Ouais, c'est un éclaireur. Les Mamelouks terrassèrent la première vague de Mongols avec une rapidité déconcertante. Mais d'autres affluraient bientôt dans la vallée. Ok, on les a eu là, ça c'est bien. Prendas, daha seri olun.
Şeyin baş üstüne. Akılhane diyemiyor, idrak olundu. Emrine amadeyim. Aman, ateşe bağlı. Trendadım, hareket edeyim. Trendad, aynı yenizlerle yük, hareketi intikal edin. Trendad, hazır olun, hazimet ederiz. Trendad, çarptır yolun. Evamirin akılhanedir. Trendad, aynı yenizlerle yük, hareketi intikal edin. Bu bari emre kurban olurum. Trendad, hazır olun, hazimet ederiz. Trendad, hareket edin. Trendad, dans ediyorum. Akılhane bir emir, idrak olundu. Trendad, hareket edin. Trendad, dans ediyorum. Trendad, hazır olun, hazimet ederiz. Trendad, aynı yenizlerle yük, hareketi intikal edin. Emrine amadeyim. Ben onlara Trendad dans ediyorum. Trendad hareket edeyim. Emrin baş üstüne. Bu bari emre kurban olurum. Trendad hazır olun. Hazimet ederiz. Trendad aynı yenizlerle yük hareketi intikal edin. Trendad aynı yenizlerle yük hareketi intikal edin. Je sais pas si ça joue le bonus de hauteur. Emrin baş üstüne. Trendad hazır olun. Hazimet ederiz. Akılhane bir emir. İdrak Trendad hareket edeyim. Aynen kah Trendad. Dans ediyordun. Trendad hazır olun. Hazimet ederiz. Emrine amade. Trendad hareket edeyim. Emrin baş. Il y a beaucoup d'archers là. On va se reculer. Trendad hazır olun. Hazimet ederiz. Trendad. Je tentais de les choper là, de les attaquer, de les titiller un peu. Fort de leur nombre et l'esprit déterminé, les nombreux soldats de l'armée Mamelouk partirent au combat. Allez, on attire tout ça comme ça au moins. Bon, on va vite aller se soigner là-bas. On a de la cave, on a des tireurs là. Je vais vite aller les soigner, il faut les conserver. Bon, le gros de la... on a éliminé une partie de l'avant-garde, c'est pas mal. Attention, j'essaie de les provoquer un petit peu. Allez, on y retourne, go go go. Visez-moi les lanciers, la Fissa. Voilà, bien joué, première vague tombée. Prochaine arrive, c'est quoi? Oh, parfait, des hommes d'armes. Oh, il y a du peuple là. Un groupe là. Un groupe là. J'ai quasiment plus de lancers, qu'est-ce que je fasse? J'en ai 11.
كما تأمر سيدي. شيمور عساكر أمرنا أمادي. الأوامر انطلقوا مصر. ما هي أوامره؟ أسير تحت إمرتك. قفوا أيها الرمح. الجنوب مفهوم. معلومات مفهوم. تشجعوا أيها الرمح. سأفعل هذا الأمر. الرمح هنا حاضرون. La cave là-bas. Là, ça se passe mieux de ce côté-là. Bon, vite par là maintenant. Oh, des archers turcs supplémentaires, je dis pas non là. C'est de provoquer un peu l'adversaire, même si ça promet d'être compliqué. On va essayer d'abattre l'un des... Bien, on en a moins déjà. Cette année-là, les Francs forgèrent une alliance maudite avec les Mongols. Que Dieu les abandonne. Mais les Mamelouks ne reculaient pas devant ces bêtes infidèles. Qu'importe leur seigneur ou leur bannière. Pareil, ils vont faire un massacre si on réagit pas. Les habitants donnèrent l'alerte. Ils étaient acculés par l'ennemi. La défaite approchait. Ils ont gagné, on va se reculer, Fissa. Faut vite soigner nos gars là. De lancer au milieu, là-bas il y a beaucoup de lancers de cave, mais j'ai pas beaucoup de. Bon, j'ai une vingtaine de lancers, tu vas me dire. Là-bas on a quoi? On a des archers. La lancée, je vais laisser en disposition là. Oh putain de merde, il faut... Oh là là, attends.
Trendaz, hareket edin. Trendaz, aynı yenizlerle yük, hareket intikal edin. Trendaz, aynı yenizlerle yük, hareket intikal edin. Rumah, ana sen tabi ola varır. Hadi dua eder bakom yarım. Eman Kay, kim yok? Bu bari emre kurban olurum. Bana evamirim değil. Eman idrak olundu. Rumah, tasihem. Ateşe cevvalim. Ça peut le faire sur cette dernière vague. Oh, là, il y a quelque chose à faire. Din Kutuz, l'épée de la foi, rallia ses guerriers et les inspira à poursuivre l'attaque. Au milieu, on a de l'air. Kutuz fit alors face au général mongol, Kitbuka. Faudrait qu'on arrive à les battre en milieu. Qu'est-ce qu'on a sur le côté Mongoudaï? On va éviter les cavaliers si on peut essayer d'abattre l'infanterie. Kha menace à Horde dans une dernière charge désespérée. Alors, en vrai sur le côté on peut faire on peut tenter un move. Vas-y, ramène-toi toi. Lui on va le fumer pour être tranquille. Vous passez là. Oh, c'est en train de passer. C'est en train de passer. Oh, attention par contre de l'autre côté. Je reprends tous mes cavaliers. Je vais faire une petite interception. Il reste 20 cavaliers à descendre. Ok. On y va, on y retourne. Le combo arme à feu et flèche, ça fait du bien. Notre victoire ce jour-là changea l'histoire de l'invasion mongole. Kutuz et Baybar leur firent goûter la coupe de la mort et tous les cœurs se sont réjouis de cette nouvelle. Jamais plus nous ne reculerions au son des tambours de guerre mongole. Bon, les Mamelouks frappèrent le cœur même de l'invasion mongole et l'invincible ennemi fut enfin vaincu. Une victoire exceptionnelle, je pense, pour les Mamelouks à l'époque. Puissant destrier. Nos magnifiques chevaux arabes sont aussi redoutables que les guerriers qui les montent au combat. Forgés à la chaleur du soleil du désert et endurcis par les nuits glaciales, ces magnifiques bêtes font l'envie de tous. Suffisamment endurcis pour parcourir de longues distances sans boire ni manger, ils possèdent à la fois endurance et vitesse. Ce sont les montures parfaites par nos redoutables cavaliers. Lorsque nos étalons relèvent la tête, le souffle emplit leurs poumons avec une telle force que les francs peuvent enfin entendre leur faim s'abattre sur eux. Pour beaucoup, le bruit des sabots durs comme l'acier martelant le socle rocheux du désert est le dernier qu'ils entendent, le chroniqueur. Bon, c'est pas mal, on a réussi à en découdre avec les Mongols et à les détruire. J'espère que cette mission vous a plu. Donc, elle n'est pas simple, en fait, il faut bien manager les troupes. Essayer donc voir un petit peu qui survit à chaque vague en attendant la prochaine. Donc en grosse difficulté, ça va être compliqué à mon avis. Je suis sûr qu'il doit y avoir des grosses vagues à gogo. Enfin bon. J'espère que cette mission vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.